tout ça pour le pognon et le fric, ils ont qu'un dieu. Au fond, ils ont qu'un dieu, pognon et pouvoir. Le pognon et le fric et le pouvoir, ça peut rapporter. Dans ce monde défilé, mais y'a les choses, on peut pas tricher. On peut pas les acheter, comme la fin de l'humanité. La fin de l'humanité, ça va arriver. À grands pas, ça va arriver, parce qu'un truc va vous tomber sur la gueule. Et la prochaine fois même, on va pour vous traire un flingue sur la tête d'un président. Vous passez voir le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux va tous goûter le cul. Parce qu'il n'aura plus rien à branler d'humanité. Parce qu'il ne croira plus à l'humanité. Parce qu'il ne croira plus à l'humanité. Ouais, le garde des Sceaux n'aura plus rien à branler. Parce qu'il ne croit plus à l'humanité. Même si c'est pas une météorite, ça sera vous-même. Vous-même par votre connerie humaine que vous êtes inventé devant le petit écran de télé. J'ose affirmer des choses que t'as vexé. Mais la triste réalité, c'est que ton Jésus, il a péri dans l'instanté. Dans l'instanté, les choses que t'as vexé. Mais la triste réalité, c'est qu'il faut que le garde des Sceaux cloue sur le croix pour se faire respecter. C'est malheureux de dire des choses que t'as vexé. Mais la triste réalité, en ce moment, nous faut l'arriver. Un monsieur D, monsieur Fadé, à 8 milliards de morts, un truc qui vous tombe sur la gueule. Ce sera bien fait pour l'humanité. Ça sera bien fait pour l'humanité. Je dis des choses qui peuvent être vexées, mais la triste réalité, c'est le petit Jésus. Il a fini cloué sur la croix, ça tombe bien. Son père était bon charpentier. Faut être bon charpentier pour construire des croix de damnés. Au fond, on est respecté par les actes qu'on fait. Cette fois-ci, c'est clair. Nous voici en enfer. Un enfer sur terre de 2000 ans de conneries. On se demande pourquoi le garde des Sceaux a été envoyé pour tout ce qu'il a connu comme malheur pour l'humanité. Même si c'est pas une météorite, ça sera vous-même. Quand je repense à mon meurtri, ah, c'est sûr, une lance qui dépasse les maquins. C'est sûr, ça reste dans les annales et dans le livre d'histoire. Même histoire est truquée, même histoire est truquée. Quand j'y repense, un monde meurtri, détruit des vies entières, les traits chevaliers ont été oubliés, passés à la trappe pour des légendes qui ont été truquées, des légendes des truquées, famés et otards en Bretagne ont été oubliés. Tu leur dis, famé a débarqué en Breton, et en plus il a été pris pour un camp pendant 7 ans, c'est une honte, et ils ont honte de rien dans cette famille.